nous avons. Domaine, c'est vrai. It is true. C'est Dieu. It is God. Qui a donné l'intelligence aux hommes. Who gave the intellect to men. Mais Dieu. But God. Est l'intelligent des intelligents. Is the intellect of the intellect. Est le sage des sages. He is the wise of the wise. Je vais vous raconter une histoire vraie. I'm going to tell you a true story. C'est moins de deux mois. It's not more than 2 months old. Mon beau frère. My brother-in-law. Who's like my father? Don't marry my grand sœur. Married to my grand sister. Celle que j'ai suivi. The one that follows. Il connaît le monsieur. He knows that man. Depuis 3 ans. For 3 years now. Il a été sérieusement malade. He's been seriously ill. On a mis, il est allé dans les hôpitaux. He went to hospitals. On a trouvé dans son cœur un problème. They found a problem in his heart. Et on demandait une intervention chirurgicale. And he had to go to surgery. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Comme je suis son pasteur. Since I'm his pastor, il est venu me voir. He came to see me. Et il m'a dit. And he told me. On doit opérer le cœur. They had to do surgery on my heart. Je lui dis non. I told him no. Je lui dis non. I told him no. Suivez-moi très bien. Listen to me carefully. Alors, quelques temps après. So if some time later. Ce n'est plus le cœur qui choquait. It was no longer the heart problem. Mais il commençait à connaître une paralysie terrible. He was having some kind of paralysis. Les périphériques de son corps ont commencé à mourir. The edges of his body started to die. Il ne sentait plus les mains, les pieds. He couldn't feel the fingers, the feet, and all that. Il avait des difficultés de marcher. He had a hard time walking. Lors d'un service comme celui-ci. Doing a service like this one. Je l'ai appelé. I called him. Je vais vous dire ce que j'ai fait. I'll tell you what I did. Je l'ai appelé. I called him. Je lui ai dit assois-toi. I told him sit here. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai dit. What I'm telling you is what I did and what is what I said. Lorsqu'il travaillait, parce que là il est en retraite. When I took his retreat, when he was working. Lorsqu'il travaillait. Tired. When he was still working, il venait à l'église. He used to come to church. Mais il venait à l'église comme un bon religieux. He was coming to church like a good religious person. Il venait à l'église de son beau-frère. He was coming to the church of his brother-in-law. Lorsque je prêchais sur les offrandes, là, so when I was preaching an offering and tithes, tu donnais les offrandes? He was giving offerings. Mais il ne donnait pas la tithe. He was not giving a tithe. C'est quand il allait en retraite. It's when he retired. Il est venu me voir. That he came to see me. Il me dit, ne pense pas que je veux. C'est parce que je suis parti en retraite que je viens donner la dîme. He told me, do not think that it's because I retired that I'm coming to give my dîme. I told him, later is better than never. Je te fasse grâce. May God grant you grace. Alors, il était là. So, while he was here, j'ai attiré l'attention parce que je n'aime pas que le diable soit caché dans notre vie. I attracted the attention of people because I don't like when the devil is hidden in our lives. Je lui ai dit, I told him, depuis que tu es parti en retraite, ever since you retired, ton argent ne va que chez les médecins. Your money has constantly been going to the doctors. Médicaments. Drugs. Médicaments. Doctors. Maintenant. Now. Dieu va te faire grâce. God will grant you grace. Il va t'accorder sa miséricorde. He will grant you his mercy. Tu te souviens? You remember? Quand je te demandais de payer ta tithe. When I was asking you to pay your tithe. Maintenant. Now. Le dévoreur est entré dans ta vie. The devourer has entered your life. Je profite de l'occasion pour vous dire. I take this opportunity to tell you. On ne peut pas bouffer ce qui revient à Dieu. We cannot steal what belongs to God. Tôt ou tard. Sooner or later, vous allez le payer cher. You're going to pay it even more. C'est les gens qui bouffent l'argent de Dieu dans cette église. It is people who eat God's money in that church. Je vous supplie. I beg you. Donnez-lui sa part. Donnez-lui. Give God his share. Je vous parle de tout cœur. Je ne vous impose pas. I am talking to you with all my heart. I don't impose it to you. S'amuser avec ce qui revient à Dieu. You cannot joke with what belongs to God. J'ai dit au peuple. I told the people. Regardez ce monsieur qui est en train de mourir. Look at this man who is dying. Mais c'est Dieu qui va le guérir. There is God only who can heal him. Je lui ai dit en devant tout le peuple. I told him before the whole assembly. Parce qu'il y a
choses qu'il ne faut pas négocier, frère. Because there are things that we cannot negotiate. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Either it is that or it's not it. Il n'y a pas de raccourci. There is no shortcut. Je lui dis, repens-toi devant le peuple. I told him, repent before the people of God. Il s'est repenti. So you repented. J'ai dit, église. I said, church. Vous avez le pouvoir. You have the power. Prions pour ce monsieur. Let's pray for this man. C'est un frère. He's a brother. Et moi, je veux le condamner à la vie. And I'm going to condemn him to life. Il ne mourra pas. He will not die. Il vivra. He will live. On a prié. So we prayed. Le lundi, il est allé à l'hôpital. The next Monday, he went to hospital. Écoutez ce qui se passe. Listen what happened. On lui demande d'aller faire un examen. They ask him to go get a checkup. Lorsqu'il va faire cet examen, when he gets the checkup, avec cette radio, it was a radio. On localise. So they found. Au niveau de ses nerfs. On his nerves. Les nerfs cervicaux. The nerves of the brain. Étaient enlacés. They were messed. They were mixed with one another. And the liquid that flows in the spine was not flowing normally anymore. Ce qui paralysait donc les mains. So that was causing the paralysis of his feet. Maintenant, now, il faut qu'on opère. He had to go to surgery. Suivez mon témoin, soyez patient. Listen to me, be patient. Il faut qu'on opère. He had to go to surgery. Une semaine avant son opération. 1 week before his surgery. On nous annonce à la télé. They tell us on the TV. Bokande. The old international soccer player of Senegal died from the same kind of surgery in France. In France. But we are in Cameroon. Which is worse than France. So what are we going to do? So I told him, va, go. They did the surgery. Les choses se passent normalement. Things have go through normally. Il commence à marcher. So he starts to work. Voilà le mystère. Here's the mystery. Yeah. Yesterday. On nous dit qu'il n'a pas de problème de cœur. They told us he has no heart problem. Il n'a pas de problème, c'est pour cela qu'on n'a pu l'opérer. He has no more problem. That's why they were able to have surgery on him. Une semaine. 2 weeks après l'opération, after the surgery, il réagit. He reacts. On l'amène comment à l'hôpital. They bring him back to the hospital. On regarde le cœur. They check the heart. On se rend compte. They realize que quelques vaisseaux sont bouchés. That few vessels are clogged. Et une partie s'est rétrécie. And a part of those vessels became narrow. En fait, in fact, c'est le premier résultat. It was the first result qui ressort maintenant après l'opération, which is coming back again after the surgery of the spine. Si on avait localisé cela avant l'opération, if they had detected that problem before the surgery, on l'aurait jamais opéré. He would have never had the spine surgery. Parce qu'on ne peut pas prendre un tel risque. Because they couldn't take such a chance. D'opérer quelqu'un qui a un problème cardiaque sévère. To do a surgery on someone who has a serious heart problem. Mais Dieu, but God, commence à faire son travail petitement. Starts to do his work little by little. Pour éviter la paralysie totale. To avoid total paralysis. Il cache un côté. He hits one problem. Il permet qu'on l'opère. He allowed them to do the surgery. Et alors je vous parle. And at the time, the hour I'm talking to l'intervention qui avait été préconisée pour le cœur. Even the surgery that was supposed to be done for the heart. A été mis en stand-by. They put a hold on it. Je me souviens avant de voyager. I remember before I traveled. Je suis allé au CHU. I went to the CHQ, the complex, the hospital complex in Yaoundé. Ouais. The hospital complex. Où il était interné pendant. Where he was admitted for 3 weeks. Toujours pour revoir le problème du cœur. To check the heart problem. I came and I told him I'm traveling. Mais je vais prier pour toi. But I will pray for you. Quand j'ai posé la main. So once I lay hands on him. Immédiatement. Immediately. J'ai entendu un bruit. I felt a noise. I heard a noise. Comme si c'était l'air qui sortait. As if it was air flowing out. Sa fille est médecin. His daughter is a doctor. Elle était à côté. She was standing by. Je lui ai dit, I told her, doctor, papa va sortir de l'hôpital.
daddy is going to come out of this hospital. Alors que je priais, je ressentais quelque chose. While I was praying, I felt something. Et ça, ses vaisseaux sont débouchés. And his vessels are unclogged. On a fait le contrôle. They checked him out. Il n'y avait plus de sang coagulé dans le vaisseau. No more blood was stuck in the vessel. Hallelujah! Hallelujah! His name is Papa Romain. He went out of the hospital. He went out of the hospital. He is at home. Amen. Est-ce que quelqu'un peut accorder à Dieu? Somebody say amen. Dieu agit. God still acts avec les hommes de foi. With men of faith. Il faut aussi permettre au diable. But don't allow the devil de voler votre droit de naissance. To steal your birthright. Faut payer vos tithes. You have to pay your tithes. Ce jour-là, il s'est repenti. That day he repented. Il n'y a rien qui peut substituer ce qui est à Dieu. There is nothing that can replace what belongs to God. Rien. Nothing. Même si tu as des problèmes, n'importe comment. Even if you have any kind of problem. Est-ce que tu imagines que c'est Dieu qui résout tous tes problèmes? Do you imagine it is God who solves all your problems? Est-ce que tu peux imaginer que c'est Dieu qui pourvoit à tous tes besoins? Can you imagine that it is God who provides for all your needs? La foi intellectuelle. Intellectual faith will tell you. No, tu sais, pasteur. You know, pastor. I have a lot of problems. J'ai tant de problèmes. Tellement de bills. Tellement de factures. Tu payes, pasteur. Tellement de factures à payer, pasteur. Please, pastor, give me time. T'en prie, pasteur, donne-moi un peu de temps. God will help. Que Dieu m'aide. God will help me. Je vais m'aider. I will do my job. Et je vais faire ma part. Amen. Attends, ça vous étonne que je parle anglais? Oh, oh, oh. Are you guys surprised that I speak English? You guys don't know me. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to God. Deuxième secret. Second secret. Deuxième. Second secret. Quelqu'un ouvre sa Bible dans 2 Timothée. Somebody open the Bible in 2 Timothée. Alors, 1 Timothée chapitre 6. Now, 1 Timothée chapitre 6. Le verset 12. Verse 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12. Il dit combat le bon combat de la foi. Says, fight the good fight of the faith. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alléluia. 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 Please follow me. Je vais vous donner deux principes très importants à partir de ce verset. From this verse, I will give you two important principles. Combat le bon combat de la foi. Fight the good fight of faith. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Take hold of the eternal life into which you were called. Suivez-moi. Listen to me. Donnez-moi, mettez-moi votre regard. Please, beg, I beg for your attention. La vie éternelle. Eternal life. Est notre destinée glorieuse. Is our glorious destiny. Amen. 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 La vie éternelle. Eternal life. Et notre destinée glorieuse. Our glorious destiny. Amen. Alors, Paul dit à Timothée. So Paul says that tell Timothy. Pour accomplir cette destinée. To accomplish that destiny. Il faut que tu la saisisses. You need to take hold of it. Amen. Amen. Ta destinée est comme cette bouteille. Your destiny is like this bottle. C'est un don de Dieu. It's a gift from God. Et tu as le devoir de le saisir. And you have the duty to take hold of it. Ce don ne pourra t'appartenir définitivement que lorsque tu le posséderas. This gift will only definitely belong to you only when you will possess it.
et les circonstances de la vie and the circumstances of life vont œuvrer contre toi will work against you pour que tu lâches so that you let go of it. Quand tu lâches once you let go il y a quelqu'un à côté there was somebody standing right next to you qui vient that will come and snap it. Et comment est-ce que tu peux arriver là? And how can you get there? Le découragement. Discouragement. Une multitude d'oppressions. A series of oppression. Oh, j'ai tellement combattu, je suis fatigué. Oh, I have so much fought, I'm tired. Tu capitules. You give up. Tu ne peux plus avancer. You cannot go forward anymore. Écoutez-moi. Listen. Ce que vous ne parvenez pas à saisir, what you're not able to take hold of, vous échappera. You let go of it. Tu dois saisir. You need to take hold. Quel que soit ce que tu rencontres, no matter what you encounter, reste ferme. Stand firm. Attrape. Take firm and hold it. Catch it. Hallelujah. Attrape. Take hold of it. Si c'est ta guérison, if it's your healing, attrape. Take hold of it. Si c'est ton mariage, if it's your wedding, attrape. Take hold of it. Attrape. Take hold of it. Saisis. Catch it. L'ennemi va te taper la tête. The enemy will strike your head. Il va te taper le dos. He will strike your back. Il va chercher le point vital. He will look for the vital point. Pour te distraire. To distract you. Écoutez. Listen now. Ça c'est un reflex. This is a reflex. Tu ne t'attends à rien. You expect nothing. Et subitement. Suddenly. C'est un coup sur la tête. It's a hit on the head. Amen. Amen. Et dès que tu as lâché, and as soon as you let go of it, il vient ramasse. He comes and snaps it. Et un problème, and problems que tu connais, that you know, ce sont les coups, are the heat que l'ennemi te donne, that the enemy gives you, to distract you. Yes. Attrape, take hold of it. Attrape tes enfants. Catch your children. Saisis-les. Take hold of them. Embrasse-les. Hurt them. Couvre-les. Cover them. Peu importe. No matter what. Ce qu'ils font. What they do. Ne les laisse pas. Don't you let them. Couvre-les. Cover them. Hallelujah. Hallelujah. Comme une main pour. Like a hand. Couvre ses poussins. Like a hand covers the little ones. Protège-les. Protect them. Hallelujah. Hallelujah. Ne les livre jamais. Don't you ever deliver them. Tout ce qu'ils font. No matter what they do. C'est une distraction. Everything they do is a distraction. Bible me dit, my Bible tells me. Que mon enfant. That my child. Est une bénédiction. Is a blessing. Qu'il vient de l'Éternel. It comes from the Lord. Quand je commence. When I start. À voir le contraire. To see the contrary. Ça veut dire. That means. Que l'ennemi est derrière. The enemy is behind. Je dois le couvrir. I need to cover. Je dois prier pour lui. I need to pray for him. Je dois lui imposer les mains. I need to lay hands on him. I don't even know. Pourquoi tu es venu au monde? Why you came to this world? Tu es en train de parler. You are talking. Comme celui-là. Like that one. Et chaque fois. And each time. Que tu libères. That you release. Une telle parole. Such words. Tu libères ton enfant. Deliver of your child. Mais tu as dit. But God said. Ton enfant. Your child. Est une bénédiction. Is a blessing. Tant que tu ne vois pas. The way you don't see. La bénédiction. The blessing. Se matérialiser. To materialize. Dans la vie de ton enfant. To love your children. Tu ne le laisses pas. Attrape-le. Take him. Hallelujah. Hallelujah. Que quelqu'un me dit amen. Que soit c'est amen. Take hold of him. Faut pas permettre. Do not allow. À l'ennemi. The enemy. De vous voler. To steal. Ce que tu vous as donné. What God gave you. C'est un don. It's a gift. Une destinée. A destiny. Amen. Est un don. It's a gift. Amen. Preach. C'est un don. It's a gift. Si tu comprends cela, if you understand this, même ta manière, even you, the way, de servir Dieu, that you serve God, va changer. Will change. Amen.
Si tu comprends cela, if you understand this, même ta manière, even the way de venir à l'église, to come to church, va changer. Will change. Tu ne viendras pas à l'église. You will not come to church. Quand tu es content, when you are happy. Mais même lorsque tu n'es pas content, even when you are not happy, j'irai à l'église. I will still go to church. Parce que David a dit. Because David said. Oh, vaut mieux. Oh, is it better? Un jour. One day. Dans le parvis de l'Éternel. In the house of the Lord. Que mille ailleurs. You will talk to Israel. Hallelujah. Hallelujah. No. No. Les circonstances. The circumstances. Ne doivent pas me conditionner. Cannot condition me. Les circonstances. The circumstances. Ne doivent pas m'orienter. Cannot orient me. C'est moi qui oriente. I have to walk in the circumstances. Les circonstances. The circumstances. Ne doivent pas m'orienter. Cannot orient me. J'ai reçu de Dieu. I have received from God. La capacité. The ability. De donner des orientations. To give directions. Par la parole. By the word. Que je proclame. That I proclaim. Je dirige les choses. I direct things. Hallelujah. 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 Saisis ta destinée. Take hold of your destiny. Saisis ton mariage. Take hold of your marriage. Saisis ton bonheur. Take hold of your happiness. Saisis. Take hold. Ton travail. Your job. Saisis. Take hold. Ton héritage. Of your heritage. Paul a dit. Paul said. Aussi longtemps. As long as. Que l'héritier. That he had. Demeure un enfant. Don't obey a child. Il ne diffère pas. He doesn't differ. D'un esclave. From a slave. Aussi longtemps, as long as que l'héritier, that the heir demeure, remains a child, il n'est pas différent, is no different d'un esclave, from a slave. Hallelujah. Hallelujah. Dis, je ne suis plus un enfant. Say, I am no longer a child. Je suis un fils. I am a son. Dis, je suis un fils. Say, I am a son. Tout le monde, je suis un fils. Say, I'm a son, everybody. Alléluia. Alléluia. Troisième clé. Third key. Combat. Fight. Dis à quelqu'un combat. Tell somebody fight. Dis à quelqu'un combat pour ta destinée. Tell somebody fight for your blessing. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un un combat pour ta destinée. Tell somebody else fight for your destiny. Alléluia. Alléluia. Yes. N'est-ce pas, tu as l'habitude de dire la vie est un combat? You used to say life is a fight, right? Pourquoi lorsqu'il s'agit de ta destinée, tu m'as dit non, j'ai trop combattu. Now how come when it comes to your destiny, you say, oh, you fought too much? Ah non, je ne vais plus combattre. Oh no, I ain't gonna fight anymore. Pourquoi est-ce que Jésus t'a donné le pouvoir? Why has Jesus given you the power? Yes, c'est tellement de choses que Jésus ne fera pas à ta place si tu ne te lèves pas pour le faire. Yes, there are certain things that Jesus will not do for you if you don't rise up and do them yourself. Il dit, je t'ai donné le pouvoir. He said, I've given you the power. De marcher sur les serpents. To trample on snakes. Sur les scorpions. On scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. The power of the enemy. Rien ne pourra t'aider. Nothing will harm you. Hallelujah. 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 Quand quelqu'un dit rien. Mais somebody say nothing. Lève le bras, dis rien. Quand tu vois les choses aller mal, when you see things going wrong, au lieu de pleurer, instead of crying, au lieu de te lamenter, instead of lamenting yourself, oh frères et sœurs, oh brothers and sisters, nous ne sommes plus à l'heure de lamentation. Is there no more the time of lamenting? No, no. Nous sommes à l'heure. We have the time. Nous devons activer. We need to activate les bontés de l'Éternel. The goodness of the Lord. Et sa miséricorde. And His mercies. Hallelujah. Hallelujah. J'ai même eu à pleurer. Tu m'as aimé. Il a pleuré. He mourned. Il a pleuré. He mourned. Il a pleuré. He mourned. Mais il est arrivé. When he got to the point. Parce que le pleur. Because the cry. Ne changeait pas sa condition. Not changing his condition. Il dit non. He said no. Mon Dieu est fidèle. My God is faithful. Il dit tous les jours. He said every day. Il est vrai. He renewed en ma faveur, in my favor, ses bontés, his goodnesses, et ses compassions, and his compassion. Hallelujah. 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 Et le Seigneur dit, and the Lord says, tous les jours, every day, approche-toi, get closer, du trône de la grâce, the throne of grace, afin d'obtenir miséricorde, to obtain mercy, et grâce. And graces. Et grâce. And graces. Pour être secouru. To be rescued. Dans tous tes besoins. In all your needs. La grâce. The grace. Elle est là. It's there. Amen. Amen.
Elle est là. It's there. La miséricorde est là. The mercy is there. Tu dois te tenir sur certaines choses. You need to stand on certain things. Pour combattre. To fight. Parce que Dieu dit. God says. Ce sont elles qui nous soutiennent. It is those things that support us. Dans tout ce dont on a besoin. In all things that we need. La grâce, the grace, la miséricorde, and mercy. Quand tu te tiens, when you stand sur la grâce, on grace, la miséricorde, and mercy, tu peux combattre. You can fight. Amen. Amen. Alléluia. Je ne peux pas passer une journée. You cannot spend one day sans combat. Without fighting. Si je n'avais pas la révélation du combat, if I didn't have the revelation of the fight, je serais mort. I would have been dead. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Yeah. En 2003, in 2003, je dormais. I was sleeping. Je dormais. I was sleeping. Et dans un rêve, in a dream, j'ai vu. I saw une flèche, an arrow. Pendant que je priais, while I was praying, dans le sommeil, in my sleep, je n'étais pas dans la diversion. I was not in diversion or distraction. J'étais en train de prier dans les rêves. I was praying in my dream. Pendant que je priais, while I was praying, j'ai vu une flèche. I saw an arrow qui est quitté de nulle part. That came out of nowhere. Permettez-moi de vous dire ce que je vais vous dire. I don't need to tell you what I'm going to tell you. Et la flèche, and the arrow, s'est introduit dans une partie de mes testicules. Got itself into part of my genitals. Je me suis levé le matin. So I rose up in the morning. Je suis allé dans les toilettes. I went to the bathroom. Je n'avais pas en pensée. I did not have in my thoughts. Ce que j'ai vécu dans les rêves. What I had lived in my dream. Et pendant que je faisais ma toilette. But when I was having my bath. L'esprit me réveille. The spirit reminds me. Ce que j'ai vu dans la nuit. What I saw during the night. Et je me rends compte. And I realized. Que subitement. That suddenly. Il y a un corps étranger dans mon corps. There's a strange body in my body. Je commence à me poser des questions. So I start wondering. Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Qu'est-ce qui m'est arrivé? What happened to me? De 2003. From 2003. En 2007. 2007. J'ai combattu. I fought. Comme je n'ai jamais combattu. Like I never fought. Parce que chaque jour de ma vie. Because every day of my life. Chaque seconde de ma vie. Every second of my life. C'était une bataille. It was a fight. Où le diable me disait. When the devil was telling me. Cette fois-ci. This time. Tu vas voir. You will see. C'est un cancer. This is a cancer. Je vais te tuer. I will kill you. Et moi. And I. Quel que soit le lieu où je me trouvais. No matter the place where I will be. Je lui disais. I told him. Tu mens. You are a liar. Tu peux pas me tuer. You will not kill me. Tu avais l'opportunité. You had the opportunity. De me tuer. To kill me. Quand je ne connaissais pas Christ. When I did not know Christ. Et aujourd'hui. But today. Je connais Christ. I know Christ. Je connais son père. I know his plan for me. Pas me tuer. You cannot kill me. Et j'étais resté ferme. And I stood firm. Sur cette proclamation. On a proclamé. Je proclamais la parole. I proclaimed the word. Je ne mourrai pas. I will not die. Je vivrai. I will live. Je témoignerai la joie de l'éternel. Surgery. Et on l'a enlevé. And they remove. Tu meurs. A tumor. Hallelujah. Ils l'ont vu. They saw it. C'était avant le voyage. It was before the trip to the U.S. Il a vu la tumeur. The pastor must have saw the tumor. Even his wife, Nadej, saw the tumor. Because they got into my bedroom. Je leur ai montré ce qu'on a enlevé dans mon corps. And I showed them what they removed from my body. Il faut combattre. You have to fight. Amen. Hallelujah. Amen. Le diable. The devil. Te connaît. Knows you mieux que toi-même. Better than you know yourself. Il sait. He knows.
Ce que tu es appelé à faire. What you are called to do. Et il fera tout pour toi. He will do everything. Pour t'empêcher. To prevent you. Accomplir ta mission. To accomplish your mission. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose. I'm gonna tell you something. Tu n'as pas besoin de mourir. You don't need to die. Pour le faire. To win him. Amen. 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 No, no. Il y a des théologiens qui disent. There are some theologians who say. Oui, on va mourir. We are gonna die. Après, on aura la gloire. And then we're gonna have a glory. No, 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 no. No, no, no. Regardez le mystère. Watch the mystery. Suivez-moi. Follow me. On va clôturer. We're gonna conclude. Suivez-moi. Follow me. Il y a quelqu'un. There's somebody qui est mort. Who died. Il est tombé dans les enfers. He went to hell. Et il est revenu à la vie. And he came back to life. La Bible nous dit. The Bible tells us. L'esprit. The spirit. Qui est allé le chercher. That went to fetch him. Là où il était dans les enfers. Where he was in hell. Pour le ramener à la vie. To bring him back to life. Il n'est pas n'importe où. Is not anywhere. Il habite dans ton corps. He lives in your body. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin. So you do not need. De mourir comme Christ. You don't have to die. To win death. L'esprit qui a vaincu la mort. The spirit that overcame death. Habite en toi. Lives in you. Hallelujah. Hallelujah. Il habite en toi. He lives in you. Dit l'esprit qui a vaincu la mort. C'est le spirit that overcame death. Je répète, l'esprit qui a vaincu la mort. The spirit that overcame death. Habite en moi. Lives in me. Ils ne pourront jamais atteindre leur objectif. Up to